Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous présenter l'ouvrage de Richard Bach, Jonathan Livingston le Goéland. Je viens de découvrir cette œuvre par hasard au format PDF. Je viens de lire les 43 pages de ce petit roman. Ça se lit très vite. C'est très court, mais c'est tellement enrichissant. En fait, ça reprend les thèmes bibliques, ça reprend la lecture de, ça reprend la vision de la Bible à travers une allégorie du goéland, du grand goéland qui apprend à voler au-delà de la vitesse permise, au-delà de tout ce qu'il entrave pour être libre. Je peux pas vous parler de ce livre, le mieux c'est d'aller voir le lien qui est en bas de la rubrique info de cette vidéo et de lire le format PDF de ce livre, ou encore mieux de l'acheter en livre de poche. Achetez-le en livre de poche. Voyez, c'est du direct. Vous avez sûrement entendu le bruit de moteur qui jaillit de la rue, mais j'ai pas envie de refaire cette vidéo parce qu'elle est spontanée. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs, selon moi. Là, vous voyez que j'ai le t-shirt de la Bulgarie. Bulgaria. Écrit en cyrillique avec l'alphabet cyrillique, là. Ah, la Bulgarie. J'ai pu renaître de l'esprit dans ce pays qu'est la Bulgarie. Petite parenthèse au passage. Mais bon. Ah là là, c'est une découverte que j'ai faite aujourd'hui, en ce mercredi 19 septembre 2018. C'est une découverte que je viens de faire, Jonathan Livingston le Goéland. Je l'ai trouvé gratuitement en PDF, donc je vous le fais partager. Je partage le lien dans cette vidéo. Il suffit de voir la rubrique info juste en dessous. Soyez pas bêtes, prenez le temps de le lire, ça vous édifiera. Ah, quel plaisir j'ai eu de découvrir un tel chef-d'œuvre. Rien à dire, tout est parfait. Je m'arrête là, place à la lecture, place à l'envol. Envolez-vous maintenant, sans tarder, vers le paradis que je viens de découvrir à travers la lecture d'une seule traite de cet ouvrage. Je l'ai lu sans m'arrêter à une vitesse folle, sans faire de mauvais jeu de mots, avec la vitesse de Jonathan Livingston le Goéland. C'est parfait. Il n'y a rien à redire. Il faut juste lire ce chef-d'œuvre. À bon entendeur, salut.